Le cinéma est bourré d'œuvres ne cherchant pas uniquement à capter une essence basique de celui-ci, mais cherchant à faire de cette essence quelque chose de plus riche, de plus imposant, de plus majestueux, quitte à se briser les ailes. Je pourrais vous faire une liste longue comme mon bras dans cette introduction de tous les metteurs en scène et cinéastes qui ont cherché à proposer une manière, au travers d'un ou plusieurs longs métrages, de repenser le 7e art, de lui donner un second souffle, une puissance et une majestuosité tout simplement inégalées au travers de métrages plus ou moins subtils mais toujours très imposants dans leurs gestes graphiques ou dramatiques. Tous les genres y sont passés, tous les types de productions, tous les acteurs et les génies artisans ou créatifs d'une œuvre de cinéma afin de porter au pinacle une vision ultime et définitive d'un métrage, comme si au fond, ce qui comptait le plus n'était pas simplement de livrer une œuvre qui sorte de l'ordinaire, mais également d'apporter un petit plus au cinéma pour que le spectateur se mette à reconcevoir leur manière d'apprécier et de contempler un travail d'auteur, mais également, tout simplement, d'artiste, chose que le cinéma présente à la base. Ainsi, le long métrage ici présent, comme beaucoup de ses confrères lors de leur sortie, fut considéré comme un objet bizarre. Mais à mes yeux, il reste encore aujourd'hui un grand morceau de bravoure et surtout de réussite. Comme si le destin avait voulu que son auteur sombre en même temps qu'une époque du cinéma, les spectateurs et la critique d'une époque ont fait du troisième long métrage du cinéaste américain Michael Cimino l'œuvre testamentaire avant l'heure de son metteur en scène, l'enterrant vivant à la tête d'une super production du nouvel Hollywood qui signera par là même la fin de toute une ère créative et créatrice du 7e art. Et ce n'est que depuis le début des années 2000 réellement, et l'envie de la part de nombreux distributeurs de vouloir remettre sur le devant de la scène cet objet unique en son genre, que la porte du paradis eut le droit à une seconde vie. Et acquis enfin, après de trop nombreuses années, le statut tant espéré par son créateur d'œuvre respectée. Et à mes yeux, de chef-d'œuvre trop méconnu ou sous-côté du 7e art. Pour un instant de cinéma complexe, certes, mais tellement unique et fou dans son genre que l'on ne peut rester insensible devant la grandeur d'un tel objet. Plongeons donc ensemble dans la vision dantesque et romanesque du Grand Ouest par un cinéaste américain assez unique. Si le long métrage fut aussi mal interprété en son temps, c'est parce que, je pense, certains n'y ont vu qu'une vague histoire romantique sur fond de western. Quelle erreur monumentale, car lorsque l'on prend un peu de temps et que l'on regarde la puissance avec laquelle Michael Cimino choisit de placer son film, on sent que son écriture ne cherche jamais à être aussi simple que ce que l'on a pu penser à la sortie du métrage, car franchement, pour le coup, difficile d'y voir la moindre forme de simplicité tant le cinéaste et auteur cherche simplement à jouer avec la forme de son récit. Une lenteur qui se ressent, certes, mais qui accompagne le récit, qui laisse le temps à ce village du Grand Ouest américain de prendre forme, de sonner comme crédible, comme ancré profondément dans les racines de cette période charnière, comme l'essence même d'un genre revisité par un auteur qui veut lui apporter plus qu'une simple touche créative. Et puis, les personnages sont si subtilement amenés, si finement découpés et acheminés au cœur de cette aventure, que leur parcours, même s'il sonne comme complexe et souvent trouble, résonne en parfaite adéquation avec l'ambition du cinéaste, de vouloir amener de l'émotion dans un geste souvent épique, mais froid. C'est là la force et la subtilité du cinéma de Michael Cimino, et même on pourrait dire sa timidité, qui font que son émotion se met au service d'un récit prenant son temps. Si dans son écriture, le long métrage a pu laisser perplexe, à sa sortie, dans sa mise en scène et sa réalisation, le film a juste impressionné. Difficile de rester insensible devant cette démesure, cette puissance visuelle, cette passion du détail, cette intensité dans le majestueux et dans l'extravagance de chaque élément de décor, et pourtant, beaucoup considèrent cette œuvre comme trop. Comme trop tout finalement. Mais elle représente une démesure qui se répète dans le temps, cette démesure de vouloir impressionner le spectateur, de vouloir passionner les foules, de vouloir imposer une vision. Cimino impose une vision, que ce soit dans cette ville entièrement construite dans laquelle arrive le personnage de James 20 ans après la fin de ses études, que ce soit cette bataille finale tout simplement extraordinaire en termes d'épique et de mise en scène, Cimino ne veut pas simplement nous embarquer dans un film imposant et visuellement saisissant. Il veut faire en sorte que l'on n'oublie aucune de ses images, que l'on garde en mémoire à quel point il avait une vision, et que son but premier n'était pas uniquement de la mettre en forme, mais de nous faire ressentir la puissance de celle-ci. Une puissance esthétique qui se ressent dans chaque image et qui marque encore plus si l'on s'ouvre au travail du cinéaste. Si le film fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il a une ambiance et un style
qui marque le spectateur. Une ambiance que l'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les superproductions de nombreux pays. Une ambiance qui peut se relier à l'idée de démesure que peut avoir la mise en scène comme évoqué avant. Cette sensation que tout est imposant, que tout est vrai, que tout est fort, que tout doit marcher sur le spectateur et que celui-ci ne cherche jamais à remettre en question les actions des personnages ou les actions prenant place à l'écran. Que cela passe par la musique de Mansfield, magique et simple, que cela passe par le travail du montage pharaonique de Greenberg, Reynolds, Roth et Fuchsman, qui semble aussi dingue que celui fait sur un certain Apocalypse Now, que cela passe par les décors somptueux et démesurés de Larsen, unique en son genre, tout sonne comme unique, comme rare, comme improbable même en un sens aujourd'hui, tant il serait impossible d'imaginer un metteur en scène et une équipe créative aller aussi loin pour mettre en forme un récit. Et c'est cela qui me captive et m'hypnotise devant ce métrage, et qui crée selon moi cette ambiance si unique. Une esthétique parfaitement ancrée dans le nouvel Hollywood et qui symbolise à merveille la justesse et la folie de ce genre de récit. Que ce soit la perfection de leur jeu, l'intemporalité de leur performance ou la justesse avec laquelle ils imprègnent l'écran, ils sont tous parfaits. On pense forcément à John Hurt, inimitable Billy parvenant à totalement s'emparer de l'écran, donnant cette sensation douce et amère que le personnage est un peu à l'image de l'Amérique de cette époque, incapable de se trouver une place au cœur de ce chaos et de cette ambiance de fin du monde. Chris Walken, comme annoté au générique, sublime dans le rôle si subtil et complexe de Nate, apportant pourtant énormément au métrage, hypnotisant par une simplicité de jeu déconcertante et parvenant à être aussi détestable que finalement attachant. Isabelle Huppert, magnifique et lumineuse dans le rôle d'Ella, emportant tout sur son passage par le biais de petites scènes tout simplement délicates, donnant quelques pauses de répit dans ce récit restant pourtant assez sombre. Et bien sûr, Kris Kristofferson, extraordinaire dans le rôle de James, apportant tellement au métrage, donnant lieu à une interprétation extrêmement juste, d'une simplicité forçant le respect et pourtant d'une justesse telle qu'il reste pour moi encore aujourd'hui l'acteur phare de cette époque, presque uniquement par le biais de cette interprétation. Un casting tout simplement dingue pour une œuvre dans laquelle il se donne tous à fond, sans la moindre retenue. Lorsque j'ai découvert, tardivement tout de même, ce métrage, je me suis dit que si je l'avais vu plus jeune, j'aurais certainement trouvé le film trop lourd, trop imposant, trop anecdotique également dans sa manière de poser les personnages et d'aborder certaines thématiques, et heureusement que je l'ai découvert plus tard, car avec l'âge, j'ai pu saisir une grande majorité de la puissance évocatrice et imposante de ce métrage. Cimino est un cinéaste que l'on a beaucoup trop oublié aujourd'hui. Non pas que son œuvre soit tombée dans l'oubli, mais on a oublié l'homme derrière tout ce travail, l'homme derrière la chute, malgré lui, du nouvel Hollywood, qui a livré au 7e art un paquet assez fort de chefs-d'œuvre, en finalement très peu de métrages, et qui reste encore aujourd'hui l'un de mes cinéastes préférés, un auteur avec lequel je replonge volontiers dans des univers aussi imposants que majestueux, comme c'est le cas de ce chef-d'œuvre qui mérite largement d'être vu et revu. Une œuvre fondamentale qui résume la démesure d'un auteur cherchant à marquer le cinéma d'une pierre angulaire pour les générations à venir.